et c'est vrai que c'est le cas pour Maxime Aubois, mais c'est le cas pour beaucoup de joueurs. On le disait avec Olivier Frappoli, il a été. Oh, peut-être laisser terminer ça. Ouais, parce que là, on a trouvé Etson Seydou justement entre les lignes qui va pouvoir aller centrer. Oh, faire Geoffrey Durban. Le but, il est gratuit. Geoffrey Durban, il y a 10 ans, il inscrivait son premier but en national. Peut-être, peut-être, vient-on assister à son dernier but dans la division. Geoffrey Durban qui repasse à 18 unités, à une unité, en tout cas de Fedel Koumisti. Notre confrère Cyprien Leger aussi qui nous dit le gardien d'Orléans, Franck Lostis. Attention! Oh, le top but! Oh, le top but de Monsieur Liamine Bogdan! Oh oui, le meilleur, plus beau but de cette saison a déjà été élu la semaine dernière. Mais Liamine Bogdan a décidé de nous gratifier d'un véritable chef-d'œuvre. Et ce match est relancé. Ce match est complètement fou. On en est à un partout au bout seulement de 20 minutes de jeu. Ah, Esteban Le Pol qui a bien chippé ce ballon, Loïc Goujon qui va aller lancer, là directement sans garer sur orbite, la frappe et l'arrêt de Maxime Aubois. Ouais, ça peut aller vite hein, aussi côté Orlanais. Alors le but avec cette ouverture de Le Pol est derrière la frappe de Sangaré. Edson Seydou sur le côté gauche. Oh, il va aller centrer très fort. Et Geoffrey Durban qui était pas loin du doublé de se rapprocher au classement des buteurs. Ah ouais, là il était vraiment pas loin, il était à un orteil près, mais c'est là où on voit aussi le sens du buteur. Et voilà, c'est la pause. C'est la pause ici. Et bien du côté de Saint-Privé, un but partout entre l'USO et le Stade Lavallois. Vincent, c'est pas ennuyé. Ça a été difficile pour lui en début de saison en tout cas de pouvoir assimiler tout de suite le niveau national. Ah, le centre là de Jesse Tseba. Oh, la reprise d'Ismaël Keïta. Hop, 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 hop. Le bel arrêt aussi de Aubois. Ouais, parce qu'elle est entre le point de pénalty, la reprise de Seba est entre le point de pénalty et les 6 mètres. Avec Ambroise Gbo. Oh, la passe à la bug, elle est belle. Vers Geoffrey Durban qui va lancer. Sébastien Da Silva excentré sur le côté gauche face à Nicolas Saint-Ruf. Da Silva qui est passé une première fois. Va-t-il pouvoir centrer? Oui, c'est chose faite. Vers la tête de Geoffrey Durban. Le doublé. Geoffrey Durban qui n'a peut-être pas dit son dernier mot pour la course au classement des buteurs. Et qui permet au Stade Lavallois de repasser devant le tableau d'affichage. Ça fait désormais 2-1. Et si c'est qui va les provoquer? Si c'est qui s'est mis pied droit, qui va aller s'appuyer sur Mogdad. Là désormais Keïta. Oh, qui a retrouvé Mogdad face à Aubois. Et la parade de Aubois, attention à deuxième chance pour Esteban Le Pol. Et ça fait de partout désormais. Esteban Le Pol qui inscrit son 7e but cette saison. Et qui relance cette fin de match. Du Stade Lavallois. Et le bon appel, la tête pour la remise. Oh, pop, 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 pop. Mais quel arrêt de Aubois sur cette remise de Nicolas Saint-Ruf. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Maxime Aubois? Ouais, là, ce serait si on va encore les... Enfin, il y aura de toute façon l'arrêt de la semaine. Donc là, il risque fort d'en faire partie. Comme un de ces gros calibres. Le Goujon, il est bon, le centre vers Cissé. Oh, la nouvelle intervention de Aubois. Et ils ne pourront pas empêcher ce but de ce numéro 7. Le numéro 7, Mohamed Cissé, qui inscrit le but du 3-2. Peut-être le but décisif. Peut-être le but des 3 points pour l'US Orléans.